Salut, c'est Fred, un des 100 podcasts. On est de retour au Fige, à Cannes. Ouah, trop fort. Et ben, je suis pas tout seul, parce que c'est un des 100 POA, le retour. Malheureusement, je continue de faire des choses avec cette personne. Il y en a d'autres aussi par là. Et du coup, ouais, on est de retour à Cannes. Et vu que l'année dernière, ben, on t'avait un petit peu cuisiné, ben, du coup, on s'est dit que cette année, on retournerait te voir, pour voir, ben, faire un petit état des lieux des gammes. Parler un peu de Edge, de la vie de Edge. En un an, il y a eu quand même beaucoup de choses, donc faire un petit peu un état des lieux. Ok. Donc du coup, et c'est vrai qu'on n'a pas présenté, donc ceci est monsieur Michael Croatoriou de Edge Studio. C'est voilà. Là. Ouais. Oh. C'est marqué. T'avais peur d'oublier. Ouais, c'est ça. C'est avec l'âge, tu sais, on est prudent. Je suis chez qui déjà. Voilà. C'est chez qui. Voilà. Donc ouais, non, je sais. Si je regarde, je sais que je suis chez Edge. C'est ça. Donc ouais, cool. Il fait un peu moins beau, mais on est resté à l'intérieur parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'avoir froid, c'est ça. Et en plus, il pleut. Il y avait beaucoup de vent quand même l'année dernière. Hein. Ouais, il y avait du vent. C'est vrai. Toi, tu le sens pas. Mais... Ouais. Chacun son truc. Lui, il a des cheveux, donc il voit encore le truc. Moi, je sens doublement l'effet de l'aérodynamisme. Plus, moi, ouais, c'est ça. Donc, alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà comment ça va chez Edge depuis le Fige où on s'est vu et puis l'interview qu'on avait faite ensemble pendant l'été. Comment ça va? Ça va bien. Comme je disais l'année dernière, les deux fois on s'est vu, je vous ai dit qu'on était en transition, ouais. Année de transition, tout ça. On commence à voir le bout, mais on n'est pas encore au bout. On n'est pas encore exactement là où je voudrais qu'on soit sur les fabrications, sur les dates de livraison et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on communique toujours aussi peu. Ouais. On communique toujours au dernier moment pour dire bah tiens, il y a le produit machin qui sort dans 3 semaines. Parce que c'est pas encore au carré comme je voudrais. Et puis on s'éclate bien parce qu'on travaille dur et que le 6 mars prochain, je vais annoncer un nouveau produit. Mais voilà, en anglais d'abord, mais le 6 mars, voilà. Donc je ne peux pas vous le garder en exclusivité pour vous. On est un peu trop tôt. Je suis désolé, surtout que c'est en langue anglaise et pas en langue française. Mais ça arrivera en français derrière, je vous rassure. Oui, we will speak English so very well and beautiful accent, yes. Baguette croissant, exactement. Et voilà. Quand tu parles de nouveau produit, c'est un nouveau jeu de rôle. Ça sera un nouveau jeu de rôle complet. Et qui va rester dans la durée chez Edge et qui va être un produit important pour nous. Ok. Voilà. Cool. Donc voilà. Cool. Parfait. Très bien, du coup. Tu veux parler de gamme et tu voulais parler d'aventure en terre du milieu parce que t'as peur de mourir sur place. Non, ça c'est moi. C'est lui. La 5E, c'est lui. Moi je parle du vrai jeu, tu vois. Ah, d'accord. L'anneau unique. Bien aussi l'autre, malgré tout. C'est surpris justement. Oui, mais il est très bien. Bon, oui. Alors vas-y, excuse-moi, Non, il n'y a pas de souci. Mais on dit toujours n'importe quoi, tu sais bien. Oui. L'anneau unique, donc une sortie là récente, donc les Ruines du Royaume Perdu, oui. que j'ai eu l'occasion de potasser en anglais, les illustrations sont folles et il y a plein de choses super cool. Donc ça arrivera bientôt sur Geekpoa, la version française, que je lise ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver et quel est l'avenir de la gamme? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont faites en anglais.
Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois à venir ? Alors, pas mal de choses, pas assez à mon goût. On est en train de finaliser la maquette de Tales from the Lone Lands. Donc je pense que c'est le recueil des scénarios qui est relié aux ruines du royaume perdu, qui à mon avis va sortir en septembre. Je pense qu'on est plutôt là. Là, on est en train de jeter un œil à l'alpha de la Moria. Je sais pas à quelle date exactement sera la date finale à laquelle ils vont le publier, mais donc ça veut dire que ça nous amène à 2025 de toute façon. C'est un gros bouquin. Là, on parle, je crois, c'était 225 ou 27 pages, je sais pas. Ouais, de ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, non. Non, pour moi, c'était ce que j'ai vu, c'était, je crois, 227 ou 277, je ne sais plus. Vous mettez un doute, je pourrais vérifier. Je dis dire des bêtises, peut-être. Ils ont financé les deux en même temps. Il y a eu un KS avec les deux versions. Oui, c'est ça, la normale et 5E. Alors, moi, je te parle de la version anneau unique. Hein. J'ai pas vu la version 5E, j'ai vu la version anneau unique, qui est jolie, franchement. Mais elle est à. Là, de la version que j'ai vue, elle est prête à. À 95%. Donc il manque encore quelques illustrations dans ce que j'ai vu, etc. Bref, mais on attend de pouvoir avoir le go pour lancer la traduction. Parce que le but du jeu, c'est de le sortir le plus vite possible derrière, parce que tout le monde attend la Moria depuis tellement longtemps que voilà. Depuis l'annonce de la première V2. C'est ça. Voilà. Donc du coup, donc ça pour l'anneau unique, il n'y a rien d'autre de prévu en tant que tel pour l'instant, parce que les sorties. C'est mon problème, il est là en fait. Donc ça, c'est pour l'anneau unique V2. Pour l'anneau unique V1, c'est compliqué parce que sur l'anneau unique, la V1 elle était faite avec Cubicle 7, la V2 est faite avec Free League. Techniquement parlant, si on regarde les contrats, on devrait pas réimprimer la V1. Bah oui, parce que vous avez vu le contrat avec. Exactement. Mais on est en train d'essayer de trouver des solutions. Donc le but du jeu, dans un premier temps, c'est pouvoir, comme je l'avais dit, imprimer le guide des terres sauvages et compter les gens des terres sauvages. Sauf que ça prend du temps. Non pas d'imprimer, hein. Si, ça serait déjà là, en fait. Mais c'est de trouver la solution idéale pour le faire. Exactement. Donc on est en train de trouver la solution. Je ne peux pas dire autre chose que pour moi, j'espère que ça arrivera avant la fin de l'année 2024 pour ces deux bouquins. J'espère avant. C'est contrairement. Quoi, j'ai peut-être été enthousiaste l'année dernière en disant que on va faire lancer la reprint, ça va être super, génial. C'est pas aussi simple en fait. Erreur de débutant. C'est mon jeune âge qui est responsable de tout ça, évidemment. Il y a qu'à voir tous les cheveux que j'ai. Le but, on va essayer de trouver une solution pour vraiment avoir le guide des terres sauvages et compter les gens des terres sauvages. Pour Vestiges du Nord ou pour l'écran ou le supplément de cartes, ça va être une autre histoire. Donc pour moi, vraiment, si tout se passe comme je veux, c'est d'abord ces deux suppléments et après on verra pour la suite. Forêt Noire, il est toujours en stock. Il est toujours en stock. Ouais, il est toujours en stock. Forêt Noire, tu peux toujours l'acheter sans aucun problème. Achetez-le, il est trop bien. Forêt Noire, c'est une campagne qui est formidable. Ouais, je suis d'accord. Après, Vestiges du Nord est vraiment une campagne que j'aime beaucoup, qui est épuisée depuis longtemps. J'aimerais vraiment qu'on la réimprime. Je crois que ces Brie et Fantômes sont encore trouvables, hein, il me semble. Oui, exactement. Il y a pas mal de choses encore qui sont trouvables, mais les plus recherchées sont évidemment Guide des Terres Sauvages et Contes et Légendes et Vestiges du Nord qui sont introuvables, et puis le supplément de cartes qui est introuvable aussi. Alors, il y a peut-être dans des petites boutiques aux quatre coins de la France, planquées quelque part où on peut trouver, mais c'est pas évident. Compliqué. Mais j'allais dire, les plus en corrélation avec la nouvelle gamme qui se passe en Eriador, c'est Brie, Fancombe et Vestiges du Nord. Ouais. Ça me paraît plus évident. Oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, tu vois, pour moi, l'intérêt de la V1, c'est que globalement, il y a quelques petites modifications à faire, mais c'est compatible. Donc ça permet de jouer à l'est et à l'ouest. Donc avoir les deux gammes, et c'est pour ça que j'essaie de me battre pour me dire, pourquoi devoir se dire on ne peut pas réimprimer la V1 ? Alors que techniquement parlant, elles sont complémentaires. Donc c'est ça qui me perturbe. Donc le point de blocage, c'est que contractuel, voir si on peut le faire. C'est ça, c'est trouver la solution. Ouais, non, c'est pas une histoire d'argent. Ouais. Non. Je suis filmé, donc je peux pas tout dire. Disons que quand Cubicle 7 est sorti de la danse de l'anneau unique, forcément, c'est pas super pour eux. Oui, c'est clair. Et Free League a pris le relais sur une autre région, qui sont pas, techniquement parlant, sont pas concurrence, mais il y a énormément de choses qui ont été écrites par Cubicle 7, et donc il faut que tout le monde soit d'accord. C'est normal. On va dire. C'est logique.
Donc voilà. Donc non, j'ai grand bon espoir. Et quand je dis bon espoir, c'est qu'une question de temps en fait. C'est pas une question de est-ce que ça va se faire ou pas. Ça va se faire sur Guide des Terres des Légendes, des Terres Sauvages et Contes et Légendes. Après, c'est voir comment on fait pour les autres. Parce que bah, forcément aussi, il y a aussi une question d'offre et de la demande. C'est-à-dire que est-ce que énormément de gens vont les acheter ou pas. Quel pari on fait. Et pour éviter que des boutiques se retrouvent à en acheter et pas les vendre et qu'elles se retrouvent avec du stock et qu'elles se retrouvent dans la problématique de « Ah bah mince, bah j'en ai super plein en stock mais j'arrive pas à les vendre. » Alors au moins un branding qui dit compatible avec la V2. Voilà, c'est ça, par exemple, exactement. Mais voilà. Et du coup, ça permet de rebondir donc sur donc Aventure en Terre du Milieu et Lord of the Rings 5ème édition. Oh, quelle surprise ! Ouais, je sais. Oh là là. Ils ont fait ça. Ah mince ! Mais... T'as ça en stock ? Bon, non. Alors, parce qu'il y a des gens qui l'attendent. Voilà, avant... Et s'ils n'ont pas leur réponse, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. C'est lui. Alors, Aventure en Terre du Milieu, c'est exactement la même problématique. Ouais, oui et non. Il y a la problématique qui se lie et il y a une double problématique. C'est-à-dire là, je pense, une problématique boutique. T'engager sur des reprints en tant que boutique sur deux gammes, laquelle tu vas vendre le plus ? Est-ce que tu vas vendre... Tu vas prendre de la Anneau Unique V1 et tu vas prendre de Aventure en Terre du Milieu. Est-ce que tu vas vendre les deux ? Ou est-ce que tu vas te retrouver avec une gamme qui va être sur le carreau ? Et tu vois, donc c'est un risque pour les boutiques. Et qu'est-ce qu'elles vont choisir ? Et si tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en stock ? L'Anneau Unique V2. Moi, je suis boutique. Je dis pas que j'ai la bonne réponse. Hein. Mais je suis une boutique, je vais me dire, je vais plutôt aller sur l'Anneau Unique. Parce que j'ai le livre de base, j'ai une gamme qui se poursuit, j'ai une continuité. On a fait le choix pour le moment de se dire... On ne sort pas la V2 de la 5e édition. Pourquoi ? Bah parce qu'on n'a pas sorti tous les suppléments sur la V1. On a des suppléments qui sont prêts. La problématique que j'ai, c'est une problématique de est-ce que sur les boutiques, ils sont prêts à me les prendre ? Et combien ? Donc, il est fort probable qu'on se retrouve dans une situation où on soit obligé de proposer Aventure en Terre du Milieu, trouver un accord et les mettre, mais en PDF, voir si... on arrive vraiment à trouver une solution en print on demand. Mais là, techniquement parlant, sur l'Aventure en Terre du Milieu, c'est compliqué. Et avoir deux gammes, ah, je parle même déjà pour la V1, et je parle pour la V2 aussi. Avoir deux gammes qui sont les deux mêmes gammes, avec juste la mécanique qui change, c'est problématique. Hein. Pour avoir la Lord of the Rings, la V2 de la 5e édition, je l'ai en VO, elle est quand même un cran au-dessus de celle d'avant encore. Hein. En termes de mécanique. Ouais, mais le contenu sur le background, le contenu sur les scénars, c'est le même. Donc, la question qui se pose, c'est comment tu fais toi en tant que client ? En France, on a X clients. Si c'est pour imprimer 300 exemplaires d'un bouquin, on ne pourra pas le faire. Mais du coup, alors ça, je ne sais pas si vous avez la réponse, si vous pouvez en parler. Est-ce que Free League, justement, a un retour sur les 25E et V2 ? Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je vais te donner mon avis. Okay. Tous les produits 5e édition, mais 3e édition à l'époque aussi, vendaient toujours moins que les produits d'origine. Ah ouais ? Toujours. Si je te prends... Rokugan, ça c'est sûr. Rokugan, mais Rokugan D20 par rapport à L5R, il y avait un fossé énorme. Voilà, évidemment que... de toute façon, il suffit de regarder un truc. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez savoir exactement ça. Vous allez sur Kickstarter, vous allez regarder la campagne et vous allez regarder exactement combien de backers sur combien de choses. Ça vous donnera la réponse. Et vous regardez entre la V5 pour la Moria, entre la version V5 et la version Anneau Unique, vous verrez la réponse. Il y a plus d'Anneau Unique, mais de très loin. Donc oui, il y a moins de clients sur la V5 qu'il y en aura sur la version Anneau Unique. Il y a l'effet aussi assez historique de la gamme. L'Anneau Unique est arrivé avant l'Aventure. Je suis pas sûr. Je pense que cette V2, elle est vraiment très bien. Je pense qu'elle a ramené énormément de jeux. Le fait qu'il y ait une boîte d'initiation, oui, ce qui n'existait pas en V1, a ramené énormément de gens. Cette boîte d'initiation, elle est vraiment super. Oui, et donc, je pense que la V2... a réellement converti énormément de gens qui n'avaient pas été convertis par la V1 où tu avais la première version des premiers bouquins exactement. Donc moi je pense que réellement ce qui a remonté de façon conséquente l'Anneau Unique, c'est la boîte d'initiation et le développement de la V2, même si on est en manque
critique de suppléments, le rythme de sortie et des scénarios, c'est une catastrophe aujourd'hui. Et c'est pour ça que le pouvoir puiser dans le berceau, quoi, pas dans le berceau, dans tout le côté de la V1 où il y a énormément de choses, c'est un avantage. Mais non, je pense que non. La réponse, c'est la cinquième édition, elle vendra beaucoup moins. Puis même les scénarios, parce que bon, j'ai lu hein, le recueil qui va arriver. Ça fait très donjon, quoi, hein, clairement. Hein, ça fait bizarre par rapport à ce qu'on a connu avant. Hein. Le système est fait pour ça. Le système est fait pour faire plutôt du donjon crawling, puisque... Oui, je sais, mais clairement. Mais c'est ça. En plus, je trouve qu'il y a une certaine élégance. Après, c'est vraiment du ressenti, une certaine élégance dans le système de l'anneau unique qu'on retrouve pas forcément sur la 5e. Je sais pas. Enfin, moi, c'est vraiment un feeling. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'il y a une différence majeure entre les deux gammes. Hein. Il y a marqué The Lord of the Rings sur la version 5e édition. Oui. Et pourtant, ça n'a pas fait le carton qu'on aurait pu imaginer. Et moi, je reste convaincu que toutes les adaptations V5, quoi, 5e édition, de tous les jeux qui existent par ailleurs, en fait, il n'y a pas autant de gens qui foncent à fond parce qu'ils disent « mais système does matter ». Moi, ce que je veux, c'est le système pour lequel le jeu il a été développé et non pas adapté. Après, je dirais quand même que... Alors, ça, c'est moi qui prêche ma parole parce que justement, j'ai bien décortiqué les bouquins. J'ai que les versions 5e de l'anneau unique, elles montrent justement que tu peux prendre un système et le tort d'avoir quelque chose qui tient la route. Donge, tu vois, nous, on pratique et tout, on adore. Mais le donge que tu trouves dans l'anneau unique, c'est pas du tout le même que celui que t'as chez Wizard. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, et la question, c'est qu'est-ce que veulent les fans français, en fait. Et tu vois, si tu discutes de Légende des 5 Anneaux avec des fans de Légende des 5 Anneaux, tu vas parler de la première, la deuxième, la troisième et la quatrième édition, et tu vas parler de la cinquième. C'est très clivant, hein, en fait. Et donc, si je te parle d'Aventura Rokugan, c'est d'ailleurs aussi clivant de la même façon. Alors qu'intrinsèquement, il est bon. Mais il y a une différence majeure sur Aventura Rokugan par rapport à l'anneau unique, par exemple, et à Aventure en Terre du Milieu. Aventure et Terre du Milieu et l'anneau unique, on propose le même contenu et on propose la même approche. Ouais. Dans L5R, quand on a fait la 5e édition, quoi, FFG a fait la 5e édition, et quand on a fait Aventura Rokugan, on a voulu deux approches différentes. D'un côté, un côté plus héroïque où tu peux jouer des Nagas, tu peux jouer des Nezumi, tu peux jouer tout ça. Et de l'autre côté, le côté vraiment dilemme du samouraï, où tu joues vraiment du samouraï, tu joues pas de race, d'espèces autres que des humains samouraïs qui ont ces dilemmes intérieurs. Donc il y a une approche qui est différente. Je pense que sur le Lord of the Rings et sur la 5e édition, je pense que la réponse... C'est facile d'être arrivé après et de dire « Moi, si j'avais été là, j'aurais fait différemment. » Mais il n'empêche que si on avait proposé sur la 5e édition, l'adaptation 5e édition de Lord of the Rings, une approche différente... À la Peter Jackson, où on s'envoie des boules de feu. Non, mais peut-être une autre époque, peut-être pas forcément une autre époque, mais faire une approche en fait où on a quelque chose de différent... Peut-être que les gens s'y seraient pu se retrouver en disant les jeux se complémentent. On peut, je vais prendre la version anonique et puis je vais prendre la version 5e édition parce qu'on fait pas la même chose. Ouais. Je sais pas. J'ai pas la réponse. Hein. Non, de toute façon, je suis pas sûr que pour l'instant on puisse avoir vraiment un gros retour. Ouais. Je suis pas sûr que pour l'instant on puisse avoir non plus un énorme retour sur les deux gammes. À voir ce que ça va donner. Je pense aussi que ça. Ne mange pas le micro. Oui, c'est ce que j'allais dire. c'est peut-être aussi un côté de l'éditeur. Ouais, attends, je vais le tenir, ce sera plus simple. Wow, c'est toi qui nous interview. Voilà, ah, trop bien. Je vous interview. Charmy, Freux, ouais. Enchanté. Je pense aussi que c'est au niveau de l'éditeur original, Free League, il est reconnu pour ses systèmes. Alors même si le système de l'anneau unique existait avant, c'était une des premières fois qu'il s'aventurait dans la 5e. Il y a eu Simbarum et après il y a eu ça. Peut-être que les clients, enfin les acheteurs de chez Free League ne recherchent pas de la 5e, recherchent autre chose. Après, c'est un sentiment, je ne sais pas. J'ai un avis, mais ils font ça simplement pour le marché anglo-saxon qui touche en priorité, quoi. Tout simplement, ils bouffent de la 5e, donc... Ils bouffent pas que de la 5e, hein. Pour moi. Ouais, mais non. Okay, Donge, il y a Donge. Ah, oui. Moi, ce que j'appellerais la 5e, c'est Donge Wizard. Ah, oui. Et de la 5e hors Wizard, je ne suis pas certain qu'ils en bouffent autant que tu le dis. Ouais. Et c'est ça la vraie question. La vraie question, elle est là. Donc bref, mais
pour répondre à ta question, donc je pense, j'ai répondu à ta question sur Aventure en Terre du Milieu. Tu vas pas te faire, tu vas pas te faire brûler par des gens. Ils seront pas contents, mais ils auront la réponse. Et... bon, voilà. Ok, donc allez-y, balancez les autres questions, parce qu'on va parler pendant 6 heures. Ouais, oui, on va faire un marathon là, je pense. On va faire les gammes tout de suite qui se relancent tout doucement, mais on espère vraiment, sûrement. Tu veux vraiment qu'on aille sur Star Wars tout de suite là. Tout de suite. Okay. Allez, comme ça. Alors, Star Wars. L'ère de la rébellion. Star Wars pour commencer. Donc les boîtes d'initiation sont arrivées. C'est bon, je lâche. Les boîtes d'initiation sont sorties au mois de décembre, vraiment à Noël, les deux. Les dés aussi. Là, actuellement, sont en print les livres de base et les écrans qu'on mis. Plus de temps que prévu à être lancé en print parce que la Provol a pris un petit peu plus de temps que prévu. Voilà, mais c'est en print. Donc je pense qu'on les a logiquement au mois de mai, pas avant. Le temps que ça soit imprimé, que ça arrive. Donc les trois gammes, les trois livres de base, les trois écrans. Ouais, je pense mi-mai. Et avant juin, quoi, avant la fin du mois de juin, entre, voilà, on va dire mai-juin. Hein, j'ai toujours peur avec Star Wars, c'est toujours un enfer. C'est toujours. Ouais, c'est la gamme maudite. Bon, en attendant, j'avais dit pour les boîtes d'initiation, elles ont fini par arriver. Hein, oui. Hein, donc. L'ère de la rébellion, elle est actuellement en approval. Je sais pas combien de temps ça. Pas de désintégration. L'ère de la rébellion. Qu'est-ce que je dis l'aube de la rébellion. Le supplément sur entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Ces trois-là, déjà, de base, sont... Je ne sais plus, sur Force et Destinée, il y a un supplément qui est en approval. Mais comme c'est les produits, en fait, qui sont ce qu'on appelle des full approval, il y a différentes procédures, en fait. Quand les produits n'ont jamais été faits, en l'occurrence en français, c'est un full approval et donc ça prend énormément de temps. Et donc, ça veut dire qu'après, même une fois qu'ils nous ont donné leur approval, quand on va les fabriquer... On doit leur envoyer un pré-production sample, c'est-à-dire avant même que l'impression tout globale fait, on fait un produit comme un vrai qu'il leur a envoyé et ils nous disent « Ok, vous pouvez lancer le print ». Une fois qu'on lance le print, on doit leur envoyer un produit de fin de production pour qu'ils le valident et à partir de là, on peut l'expédier pour que ça aille dans les différents pays, pour que ce soit, alors en l'occurrence la France, pour que ce soit mis en magasin. Donc, encore une fois, j'ai pêché l'optimisme, mais vous voyez, comme quoi, vaut mieux que je ne communique pas sur les réseaux, hein, parce que si j'avais annoncé des dates, je me serais planté. Donc, vous comprenez pourquoi je vous disais que c'est encore une période de transition et qu'on n'est pas encore bon sur les dates de choses. Parce que, en fait, tant qu'on aura, quand on aura réimprimé toutes les gammes Star Wars de produits déjà traduits et qu'on aura lancé au fur et à mesure, commencé à lancer la logique des nouveaux produits et qu'on sera arrivé au bout de chacune des gammes, bah là, ça sera beaucoup plus pratique. Parce qu'une fois que tu as eu le produit validé, le réimprimé, c'est plus facile. Les boîtes d'initiation, là, quand elles seront épuisées, et elles vont être épuisées, on aura plus de facilité à les lancer. Ça prendra juste 6 mois de les réimprimer parce que c'est en Chine pour les boîtes et t'as pas le choix. Mais le bouton vert, on n'aura pas besoin. Le processus va être vachement plus rapide. Donc, ça va être plus simple. Alors, moi, j'avais une question peut-être plus sur vraiment le devenir des gammes Star Wars en elles-mêmes. Parce que c'est FFG, donc maintenant Edge, donc c'est dans le giron, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a volonté de continuer ces gammes-là? Parce que même en VO, il n'y avait plus rien qui sortait... Donc, est-ce que ça va continuer ou une nouvelle édition ou... Alors, pour l'instant en anglais, Lucas ne nous a pas donné l'autorisation de créer de nouveaux produits. Donc, c'est pas qu'on veut pas, c'est que pour l'instant on ne peut pas. Mais en revanche, sur la français, l'idée et la volonté de Edge, c'est de traduire tous les produits qui manquent. Alors, j'irai pas m'engager sur les cartes de spécialisation et sur les cartes de PNJ. Malheureusement, mais j'aimerais quand même qu'on arrive à réimprimer les cartes de PNJ en anglais, parce qu'en français, le marché, pour pouvoir atteindre les niveaux, ça ne va pas le faire. Mais pouvoir les réimprimer en anglais, ça j'aimerais bien, mais ça ne va pas être tout de suite, ça va être compliqué, parce qu'il faut qu'on trouve une solution de production qui tienne la route, parce que les quantités que tu vas réimprimer ne vont pas forcément être colossales. En revanche, l'idée, c'est qu'en anglais, toutes les références soient en stock, qu'en français, toutes les références actuelles soient en stock, et qu'on sorte tous les produits qui manquent. Donc, on ira au bout de l'ère de la rébellion, aux confins de l'Empire, c'est pas difficile, on manque pas de désintégration, il en a approval. On ira au bout de l'ère de la rébellion, on ira au bout de Force et Destinée. Et on ira au bout aussi des gammes connexes, qui est la gamme où il y a l'aube de la rébellion, Starships and Speeders et les machins comme ça. À la fois les gammes, les produits qui sont des livres de technique qui compilent des vaisseaux, des robots, des machins, et en même temps les trois suppléments qui existent. Rise of the Separatist, il est actuellement en cours de relecture.
Donc Rise of the Separatists sera fait. Et derrière, le dernier, c'est Collapse of the Empire. On va le lancer en traduction derrière. Donc c'est les suppléments qui vont... qu'on va tout faire. Le but du jeu, c'est de vraiment aller au bout de la gamme. Mais aujourd'hui, je suis incapable de te dire, est-ce que Lucas va nous laisser développer de nouveaux produits ? À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a un an, il y a eu des changements chez Disney, il y a eu des changements chez Lucas, et qu'aujourd'hui, je pense que déjà qu'on obtienne de pouvoir réimprimer, de pouvoir faire tout ça, c'est déjà cool. Après, un jour, peut-être qu'on aura le droit de faire des PDF. Aujourd'hui, on ne peut pas vous rendre les PDF des bouquins. Du tout. Parce que j'allais dire, en plus, avec toutes les séries télé qui sont sorties, moi, je pense principalement à Andor, qui est juste incroyable. De toute façon, quand tu prends Clone Wars, tu prends Rebels, tu prends en effet Andor, après on va pas parler de Boba Fett, mais on peut parler de Mandalorian et on peut parler d'Ahsoka, je pense. Il y a des gens qui disent qu'Obi-Wan n'a pas existé non plus, mais bon, peu importe. Il y a énorme, et Boba Fett n'a pas existé. Mais de toute façon, il est mort à l'épisode 5, non ? Oui, c'est ça. Bref, je sais plus, il est mort. 6, il est mort. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, je peux pas répondre à ça. La boîte du coup de l'ère de la rébellion, tu la prévois ? T'as du mal encore à la prévoir ou tu as à peu près une idée ? Non, elle est en approval. D'accord. Alors après, c'est. Logiquement, en approval, l'approval de l'ère de la rébellion est plus compliqué parce que c'est un produit qui a même pas il a été fait en anglais, oui, mais il n'a jamais été fait en français. Ouais. Mais logiquement, si la logique est respectée, quand on aura l'approval de pas de désintégration, on aura l'approval de, l'aube de la rébellion, on aura l'approval de l'ère de la rébellion de la boîte. Donc logiquement, et puis de ce qu'il y a en Force et Destinée. Ouais. Donc logiquement, et l'idée c'est de pouvoir sortir des nouveautés intercalé, c'est-à-dire qu'un mois on fait aux confins de l'Empire, un mois on fait l'arc de la rébellion, un jour. Ça ne rentre pas en concurrence les uns avec les autres. Voilà, et puis même que le portefeuille de chacun, il n'est pas extensible à l'infini. Si je vous sors les trois nouveautés, je les balance d'un coup, c'est le bordel. Ouais. Pardon, que dis-je ? J'ai dit des gros mots. C'est le souk. Tu as le droit, il y a pas voilà. Voilà, ça sera compliqué. Mais c'est pour ça que, par exemple, ce sera dur. Pour que tu lues, c'est exactement le cas. On sort les produits à un mois d'écart. Pour L5R, on a sorti les produits à moins d'écart parce qu'on se dit les boutiques, il faut qu'elles les commandent, c'est du budget, et après, il faut que les gens les achètent. Et si tu sors tout en même temps, voilà. Et pourtant, les bouquins sont imprimés ensemble. Oui. Je peux te dire que Demeure de l'épouvante, Les enfants de la peur et Le flambeau des profondeurs, ils ont tous les trois été imprimés ensemble. D'accord. Mais on les sort tous à un mois d'écart parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Du coup, ça tombe bien que tu parles de Cthulhu. Pour le coup, c'est une gamme qui, l'année dernière, quand on en discutait, il n'y avait pas eu grand-chose de sortie. Et là, depuis quand même quelques mois, on est quand même sur un rythme qui est assez poussé. Puis en plus, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Beaucoup de scénarios, quasiment que du scénario, mais de la campagne et du scénario indépendant. Et en plus, il y a du pulp et il y a du Cthulhu classique. Donc déjà, il y a une marge de progrès qui est assez... Il y a un bon step. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les prochaines semaines ? Alors, on a parlé de, t'as parlé de Tula d'Enfir, du flambeau. Il y a un autre bouquin moi qui m'intéresse beaucoup, c'est Arkham. Ouais. Est-ce que tout ça, tu peux nous en parler ? Je te réponds tout. Alors, juste avant, ouais. Parce que du coup, moi, ça va en corrélation avec, c'est l'accueil boutique de tous ces suppléments qui sont déjà sortis depuis qu'on s'était vu. Alors, que ce soit la campagne Sapin de tête, etc. Super bon accueil. Farce Macam, on l'a déjà imprimé. Il a été épuisé pendant un mois, le temps de caler. Donc Farce Macabre, ça a été un carton monumental, soyons honnêtes. C'est un produit que j'adore, donc je peux pas être objectif. J'en profite, petit hommage quand même aux collègues du Discord de Edge qui ont animé les séances pour savoir comment mener la campagne Farce Macabre. C'est furieux, c'est génial. Bravo les mecs. Ouais, c'est un top. C'est clairement une campagne qui, moi, me fait peur en termes de maîtrise parce qu'il y a un tel rythme. Moi, personnellement, je trouve que la maîtriser, c'est quand même mettre énormément les mains dans le combi. J'ai adoré cette campagne, j'ai adoré la lire. J'ai lu du Fedo quand je l'ai lu. Enfin, ça m'a vraiment... Mais à m'imaginer la maîtriser, c'est quelque chose qui est assez compliqué, je trouve. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai que le travail qu'ils ont fait sur le Discord d'essayer de donner des conseils sur comment le préparer, c'est une très très bonne idée. Je trouve ça très chouette. Après, Alex de la Iglesia, c'est un personnage. Je pense que dans sa tête, c'était absolument clair et puis il le maîtrisait sans aucun problème. Mais c'est pas une campagne pour débutants, clairement pas. C'est impossible. T'es débutant, tu vas dans le mur. Mais déjà, tu la lis, tu t'en imprègnes et puis au bout d'un certain nombre d'années, tu essaieras. Sur Cthulhu, donc, Farce Macabre a été super bien accueilli. Abomination de Peter
Andersen, Serpent à deux têtes, ça s'est vraiment super bien passé. Mais le plus gros carton, vraiment, c'est vraiment Farce Macabre. C'est vrai qu'on a sorti ces trois produits à d'écart. Donc, c'était mai à Farce Macabre, juin, c'était Abomination de Petersen, septembre, c'était Serpent à deux têtes. Là, on a sorti coup sur coup, donc janvier, Les Demeures de l'Épouvante. Là, demain, sort Les Enfants de la Peur. Le 22 mars, va sortir Le Flambeau des Profondeurs, Cold Fire Within, pour ceux qui connaissent le nom en anglais. Campagne Pulp. Voilà, Campagne Pulp. Et là, sur quoi on est en train de travailler ? On est en train de travailler sur Horreurs Indicibles, donc Nameless Horror, qui est en phase finale, et en train de phase finale aussi sur Arkham. Mais ça va nous emmener, je pense, pour Nameless, pour Horreurs Indicibles, si on a de la chance, ça sera juin. Il va y avoir un petit saut de quelques mois. Et Arkham, il sort dans, je crois, dans deux semaines ou trois semaines chez Chaosium. Je pense que ça sera plutôt octobre, tu vois, quelque chose comme ça. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer. On est en train de lancer d'autres traductions un petit peu dans tous les sens. En parallèle, on avait deux choses qu'on avait mis de côté, qui sont, pour ainsi dire, prêts, qui sont Does Love Forgive, qui est un produit en couple, qui est fait par Black Monk, donc les Polonais. Qui va être imprimé. On voulait le sortir à la Saint-Valentin, on n'a pas pu en fait. C'était pas possible. Et le recueil de conseils au MJ débutant, qu'on va sortir aussi, sachant que je vous le rappelle, on ne fait pas la 40e anniversaire parce que ça n'a pas de sens d'avoir un scénar qu'on a déjà dans les accessoires du gardien et 4 pages de bio pour justifier un produit où vous allez avoir le manuel du gardien. Ouais, donc voilà. C'est bien pour les collectionneurs. Ouais, mais même la couve, elle n'est pas belle en fait. Moi je trouve que pour une collector on pourrait faire quand même vachement mieux. Je sais pas, une illustration inédite de Loïc Musy, un truc un peu. Voilà. Avec du cuir de chèvre, véritable. Ouais, voilà. Sacrifié bien sûr. Du cuir de chocotte. Et sacrifié. Ouais, après on éviterait de mettre de l'odeur de profond dessus, quoi, parce que ça serait un petit peu dommage. Mais quoi, ça dépend si le conteneur il fuit, on sait jamais. Mais on a plein de projets sur d'autres produits après derrière. L'idée, c'est d'un côté de rattraper le retard avec Chaosium sur les nouveautés qui sortent. C'est ce qu'on a fait sur Arkham. Ouais. En fait, on a eu le produit vraiment entre les mains très tôt. Dès qu'ils ont lancé chez l'impression, on a lancé la trad. Donc là, voilà, on est sur la relecture maquette, donc on est pas très loin. Mais après, il y a quand même un certain nombre d'étapes à pas zapper. Nameless Horror. Mais après, derrière, ce que j'aimerais qu'on fasse, dans un premier temps, c'est Malleus Monstrorum, mais en deux bouquins séparés. Ouais. Pas un, parce que sinon, ça va mettre un an. Ouais. Et puis ça va mettre un an, quoi. Parce que la bande passante que ça monopolise pour les faire, c'est compliqué, ouais, parce que c'est énorme. Donc l'idée, c'est d'avoir le livre donc des dieux et le livre des monstres, voilà, bref. Mais après, il y a plein d'autres possibilités. Tu vois, Régency Toulouse, par exemple. Ce serait fou. Ouais, c'est vrai qu'on n'est que quelques-uns à le vouloir. Mais c'est une gamme différente, je te dirais, pour moi. Mais je sais pas, tu vois, le Great Grimoire, typiquement. Ouais. C'est un produit, alors c'est des sorts, ouais. Mais on sait qu'il y a des gens qui feraient, ou Cults of. Les cultes, ouais. Ouais, les cultes qui peuvent être intéressantes. Je sais pas, Tulu Dark Ages, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Dark Darker Trail, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du western. Donc le western, quand même, en France, autant aux US, les gars, ils sont hyper friands. En France, on a. Voilà, c'est. Si on discute TQI ma gueule, je suis pas certain que c'est cartonné monumental, même si je trouve que c'est un super travail. Super boulot de malade qu'ils ont fait. Et en plus, j'ai une deuxième édition déjà. Donc, mais le western, alors oui, il y a eu Deadlands par le passé. Mais c'est plus tendu. Par contre, il faudra qu'on fasse à un moment ou un autre basic role-playing game, le bouquin. Ouais. Ouais, c'est juste parce que c'est Loïc qui a fait la couve. Donc on le ferait, bien sûr, vous pensez bien, ça sert à rien, les règles génériques avec tout. Non, je pense que voilà, c'est des choses. Il y a plein de choses dans les tuyaux sur lesquels on veut se lancer. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est priorisé, quoi. Et pour revenir sur le sujet qui braque tellement de monde, sur les masses de Nyarlathotep. Ah, et puis Terreur sur l'Orient Express. Qui a encore envie de les faire, quoi. Ah ouais, t'as raison, on va commencer par Terreur sur l'Orient Express. Parce que celui-là, il est déjà annoncé. Terreur sur l'Orient Express, il est annoncé depuis longtemps. Le boulot est super avancé. À la demande de Chaosium, on a reporté la sortie. D'accord. Et en toute logique, on va le sortir ensemble, en français et en anglais en même temps. Parce qu'ils vont le refaire, c'est ça, je crois, hein, c'est ça. Comme les masques. J'ai absolument. Alors, je sais pas du tout ce qui te fait penser ça. Mais alors, pas du tout.
En tout cas, moi, je... Voilà. Peut-être parce que j'ai les newsletters de Chaosium, je sais pas. En tout cas, moi, je suis au courant de rien. Ouais. Tu penses bien. Voilà. Oh, bah, mais on va dire que graphiquement parlant, ça sera autre chose. Parce que nous, on a fait un gros travail de graphique dessus. Et si, dans l'idée, Chaosium refaisait une nouvelle version, ce serait étonnant. En tout cas, je pense qu'ils auraient des belles illustrations faites par l'équipe de Edge. Ce serait pas mal. Et un graphic design qui va avec et tout ça. Pourquoi ils feraient ça chez Chaosium ? Quelle idée ? Non, mais ils le feront pas. Ils le feront jamais. Ils le feront jamais. S'ils peuvent sortir une version intéressante à jouer, ça peut être une très très bonne chose. Moi, tant qu'on ne ressort pas à nouveau les ombres de Yogg-Sothoth, tout me va. Bon, donc voilà. Donc pour l'Orient Express, en tout cas, l'idée, elle est là. C'est... Alors, ça décale franchement parce que... 2025, quoi. Minimum. L'objectif, c'est fin 2024. L'objectif. Ah oui. C'est quand même une deadline qui est... avec tout ce qui reste à sortir. Non, mais l'objectif commun. Dans les rêves de gens où, imaginons, Chaosium et Edge fassent les choses en main ensemble. C'est marqué dans les tableaux du planning. Voilà. Mais moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, je pense que c'est un peu optimiste, fin 2024. Parce que, voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que graphiquement parlant, vous avez vu les illustrations de Farce Macabre ? Ouais, ça va. Donc c'est notre directeur artistique qui a fait toutes les illustrations de Farce Macabre, Antonio Maynes. C'est super. Il a retravaillé énormément de choses sur Orient Express et c'est dans la même veine. Ça va être tout vilain. C'est ça. Donc voilà, ça c'est pour Orient Express. Donc ouais, pour l'instant je te dirais, disons 2025, parce que j'y crois pas fin 2024. Comme les masques de toute façon. Voilà. Et les masques, alors les masques c'est un cas différent. Les masques, remettons les choses à leur place. On ne réutilisera pas la traduction de Sans Détour. Non. On l'a fait déjà sur un produit. Tu veux dire la traduction de Descartes ? Oh, pardon, excuse-moi. On ne réutilisera pas la traduction. Si on fait les masques de Merenatotep, on est obligé de tout retraduire. Ouais. Donc, tout retraduire et on doit refaire toutes les illustrations. Oui. Donc, la bande passante que ça va monopoliser, elle est assez conséquente. Je comprends l'envie de tout le monde de se dire « Ah ouais, mais en spéculation, vous avez vu les prix, pour la récupérer, c'est un enfer, c'est super cher et compagnie. » Ouais, mais on a fait l'expérience une fois de reprendre une traduction de nos confrères, on aurait mieux fait de tout retraduire. Puis même, en travail, ça aurait été plus rapide. À l'heure actuelle, il y a quand même, c'est une campagne qui a été éditée donc, quatre fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont fait. Est-ce que les gens vont la racheter une énième fois, là tout de suite. Le jour où on la refera avec des nouvelles illustrations, avec une nouvelle traduction, avec la dernière version révisée de Chaosium qui va peut-être nous en faire encore une version. Je ne sais pas. Là par contre, pour le coup, je ne sais pas. non. Là franchement, je ne sais pas. J'en profite. Petit coup de pub, parce que j'aime bien faire des coups de pub aux gens que j'apprécie. Donc à monsieur Nico Takian, qu'on avait reçu, parce qu'il est en train de maîtriser les masques sur sa chaîne. Ah d'accord. Cool. Et c'est une tuerie. Hein. Ouais. DM Nico. Allez voir, c'est de la bombe. C'est une campagne qui est bien, mais qui demande, à l'heure actuelle, avec ce qu'on a en matériaux, qui demande énormément de travail pour la rendre intéressante. Bah, je pense que, moi, de mon avis, Michael, je pense que c'est une campagne qui est ancienne. Je pense qu'elle a été révolutionnaire pour son époque. Oui. Je pense qu'on a fait plein de choses depuis. Je pense qu'il y a un vrai retravail dessus. J'ai toujours, pour déconner, je dis toujours la même chose. Il y a les gens, la masse de Merenatotep, elle est mythique pour les gens qui ne l'ont pas joué. Et pour les autres, ils comptent le nombre de persos qu'ils ont perdus et le temps que ça a pris dans leur vie. Et en regardant la qualité et la variété de la qualité, après, ça dépend du MJ qu'on a. Il y a des MJ qui ont retravaillé de folie et c'est le menu quelque chose de titanesque. Mais voilà. Depuis, il y a eu plein de campagnes de sortie qui ont revu aussi la campagne. Exactement. Elle a combien d'années, la campagne? Elle est super vieille. C'est un arlequin de la campagne. Alors, on rajoute ici, en fur et à mesure des éditions, il y a tellement de choses qui ont été rajoutées, et ça perd en cohérence. Et l'Australie, à quoi sert l'Australie dans cette campagne? Rien. Mais voilà, pour moi, c'est... C'est pour ça que si tu me disais on le ressort pas, moi je serais... Ah d'accord, parfait. Je comprends que les gens ont envie. Mais aujourd'hui, j'ai pas donné mon feu vert pour dire on lance, parce qu'en bande passante, ça serait monstrueux, vraiment. Et donc, j'ai un peu peur de mobiliser les troupes sur ça, alors qu'on a plein de suppléments qu'on n'a pas fait. Pour l'instant, on aurait encore, il nous resterait un ou deux suppléments pour être au taquet avec Chaosium. Je dirais ok, on y va. C'est pas le cas. Il y a plein de maths. Par contre, attendez pas le supplément sur l'Australie.
La Terror Australis, la deuxième édition. Ils ne l'attendaient pas. Parce que ni moi ne sommes convaincus. Et je pense que... Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la faire à terme. Mais c'est absolument pas dans les priorités. C'est pas l'urgence, ouais. Soyons... Parlons clair. Comme les secrets du Tibet, quoi. Ça peut attendre. Les quoi ? Les secrets. Ah oui, oui, bah voilà. J'avais une question, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est... donc, les dernières sorties, c'est beaucoup de... quasiment que du scénario. Ouais. Donc, là, tu nous as dit, Arkham, d'ici la fin de l'année, oui. Ça devrait le faire. Du coup, le contexte, on va y revenir ? Alors, oui, on va revenir au contexte, en effet. Après, il faut voir quel supplément. Ce qui est certain, c'est que dans le travail qu'on fait aujourd'hui sur les gammes de Cthulhu, Croc lit tout, on en discute après derrière en interne et on regarde dans quel ordre on met les produits. On va mettre de la règle aussi, je vous parlais du Great Grimoire que j'ai envie de faire, je vous parlais du basic role-playing game que j'aimerais qu'on fasse, mais on ne peut pas tout faire en même temps, mais on veut alterner. Ouais, l'idée, ce n'est pas de sortir campagne back-to-back tout le temps et qu'on n'ait aucun supplément de contexte, rien. Arkham, puis surtout qu'Arkham, c'est le premier supplément de contexte, mais on ne va pas ressortir les vieilles éditions. On va plutôt attendre que, je sais pas, on ait un Innsmouth par exemple, un Dunwich, on va voir. Et donc, ces suppléments-là, on les récupérera quand ils seront à chaque fois prêts à partir chez l'imprimeur et on les lancera en trad. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en théorie, il y aura quoi ? 6 mois d'écart ou peut-être 8 mois d'écart entre la version anglaise et la version française. Mais on va speeder pour à chaque fois les sortir, mais on les speedera, mais pas au point de négliger la qualité. Donc si on se rend compte qu'il y a plus de travail que prévu, bah, il y aura plus de travail que prévu. Mais on les fera systématiquement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans le retard qu'on a, il y a énormément de suppléments qui sont des suppléments, qui sont des campagnes, qui sont des recueils de scénarios et compagnie. Tu vois, on parlait de Lovecraftian, machin là, Peterson Lovecraftian, comment il s'appelle ? J'ai perdu le titre. Machin of Lovecraftian truc. Bon, il faudra peut-être qu'on le fasse. Tu vois, il y a des suppléments qu'on a fait en espagnol qu'on n'a pas encore fait en français. Oui, qui sortent en espagnol. D'ailleurs, quand on parle des masques, il y a des gens qui parlent des masques 6e édition qu'on a fait en Espagne, où il y a 2-3 illustrations qui cassent pas 3 pattes à. Non, qui défoncent tout. Pourquoi on ne pourrait pas réutiliser des choses aussi comme ça ? À voir. Mais il y a aussi beaucoup de choses à refaire, de toute façon. On va faire très rapidement une, parce que je sais que ça va arriver justement en financement, c'est des Genesis, puisque Justicienne, c'est comme ça que ça se dit ? Justicienne. Va arriver. Ouais. Encore une fois, c'est un one-shot. J'ai eu l'autorisation de le faire, mais ça clôt la gamme. L'idée, c'est de reposer la collector du livre de base. Ouais. De proposer Justicienne dans une version collector particulière avec tout plein de suppléments par ailleurs qui ont été faits, des bonus d'un peu de gauche et droite qu'on rajoutera à l'intérieur. Il va y avoir plein de choses. Ça aura le même format de la boîte que la collector du livre de base pour avoir vraiment un beau produit. J'ai annoncé juin pour la campagne. J'espère qu'on sera prêt. Mais au pire des cas, c'est-à-dire qu'en revanche, ce que je refuse qu'on ne soit pas prêt, c'est une fois qu'on lance la campagne, ce qu'on annonce, on le tient. Donc il est possible qu'au final, on se dise... Je vous ai dit juin et que ça soit septembre, parce qu'on se rend compte que, en fait, on est en train de travailler sur comment en fabrication le faire, sachant qu'il y a des impacts logistiques aussi qui sont assez conséquents, parce que je sais pas si vous avez eu la boîte et combien ça pèse, mais ça va être toute une histoire. Donc, on veut le faire vraiment bien. C'est notre premier financement participatif. J'ai pas d'autorisation pour en faire un deuxième, donc voilà. Hein. C'est pour clôturer une gamme, donc c'est pour ça que ça a du sens. On va le faire du mieux qu'on va vouloir, mais on ne lésinera pas sur la qualité. Donc je préfère le retarder après derrière parce que je me rends compte qu'on n'est pas prêt, mais on le fera, ça c'est sûr. C'est greenlighté. Donc il nous reste encore trois gammes okay. Hein, pour vous dire. On commence par quoi ? Alors on va faire ce qui serait a priori peut-être le plus long, c'est-à-dire L5K, donc Légende des 5 Anneaux et Aventure à Rokugan. Okay. Pareil, accueil et puis ce qui arrive. Alors, Légende des 5 Anneaux, les ventes sont pas ouf. On avait arrêté d'imprimer les scénarios. Par contre, pour satisfaire les fans et éviter qu'ils soient en galère, on a mis surtout les cartes des scénarios dans les suppléments. Donc là, dans les Champs de la Victoire et dans Royaume Céleste, tu as les cartes des territoires de clans qui sont à l'intérieur, et puis les deux cartes qui étaient dedans, elles sont dans les suppléments. Objectivement, Légende des 5 Anneaux, la 5e édition, on est sur en phase descendante parce que depuis un certain temps, parce que c'est une gamme qui est grosse. Et en français, il nous manque aujourd'hui un supplément qu'on a de retard qui est Writ of the Wild, donc le supplément sur les dragons.
en anglais, et donc pour pouvoir rattraper le retard par rapport à l'anglais, et en anglais, ben, en fait, il n'y a que Writ of the Wild qui est sorti. Le supplément sur les licornes, il n'est toujours pas sorti, parce que ce que j'annoncerai le 6 mars a mis un petit peu de retard sur le reste. Et il y a un moment où, quand tu as une gamme qui est en perte de vitesse, et que tu as des nouvelles gammes que tu veux lancer, bah, tu peux pas mettre tout le monde. Voilà, tu fais des choix. Donc, oui, le supplément sur les licornes, les gens ont déjà joué en avant-première à la Gen Con le scénario qui est dedans. Ça sera un supplément avec scénario à l'intérieur. Donc, ils l'ont joué. Non, il sera imprimé dedans, mais il n'y aura pas les jetons, les machins. Ça sera dans le supplément, tu auras le scénario. Ça sera plus. Tu sors un supplément et tu sors le scénario séparé. Le but, c'était de regrouper. Et donc, le supplément sur les scorpions, il va bientôt partir en écriture. Là, on est en train de finaliser Licorne, mais Licorne, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le sortir, en fait. Je pense que ça va être début 2025, parce que je ne vois pas comment le sortir en 2024, en anglais. Oui, oui. Les Writ of the Wild, je pense que ça va être début... C'est-à-dire, au moment où Licorne va sortir, je pense qu'on sortira Writ of the Wild en français, en même temps. Mais... Là, on a sorti deux produits coup sur coup qui étaient attendus depuis super longtemps et que les gens se disaient qu'ils ne sortiraient jamais. Mais c'est pas simple, en fait, parce que du fait des ventes qui ne sont pas ouf, il faut aussi justifier, en fait, ce que tu sors. Et si c'est pour que les gens se retrouvent avec du stock et qu'au final, ça aille au pilon, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, Writ of the Wild, il est traduit. Je crois pas qu'ils sont en maquette, il va passer en relecture, mais on va prendre le temps, en fait. Et Licorne et Scorpion, c'est les deux derniers clans qui manquent pour L5R, en anglais, et donc après en français. Mais pour moi, on arrive vers la fin de la gamme de la 5e édition. Ouais. Aventure Rokuyan, on a sorti la tombe de Yushiban. La tombe de Yushiban, je pense qu'elle sortira en fin d'année en anglais, en français. Ouais. On a deux suppléments prévus derrière sur... Aventure à Rokugan, qui sont des recueils de scénarios qui sont liés, en fait. Tu peux les jouer séparément, tu peux les lier. Donc, c'est deux recueils qui sont à chaque fois trois scénarios. Je pense que, comme les licornes, on va sortir... En fait, ouais, on va les sortir début 2025 parce qu'on n'aura jamais le temps avant, en fait. Il y a déjà pas mal de choses. En fait, en dev, il y a tellement de taf que je fais des choix sur des gammes et je me dis, voilà. Et vous comprendrez pourquoi quand l'annonce sera sortie. Je me fais une alarme le 6 mars. Ça sera sur les réseaux sociaux. Ouais, je me doute. Ça sera sur les réseaux sociaux. En fait, je vais annoncer à la Gamma, qui est un salon de tous les retailers, de tous les boutiques, de toutes les distributions aux US. Je ferai l'annonce là-bas, en fait. Voilà. Donc, je peux vous dire que le 6 mars. Alors, je crois que mon annonce l'a fait entre 9h et 10h au matin aux US. Donc, ça veut dire que ça va être en fin de journée le 6 ou le 7 en début de journée en France. Vous aurez l'annonce. Ok, cool, parfait. Et du coup, dernière gamme, Midnight. On avait parlé de pas mal de choses la dernière fois qu'on s'était parlé. Du coup. Alors, Midnight, on a reçu les échantillons de Crown of Shadow en anglais, qui va sortir, je crois que ça sort fin mars aux US, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, ou fin avril, je sais plus. J'ai pas les chiffres dans la tête. Campagne. Midnight, on va voir exactement comment ça se comporte parce que je vous disais que la 5e édition se comporte pas forcément ouf et je suis pas, c'est pas, franchement c'est pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre et surtout au niveau du temps de développement et du travail qui a été fait sur Midnight. Donc on va voir exactement et en France, aux US, ça forcément quoi. Crown of Shadow, je pense que si on s'était basé juste sur la France, il y a peu de chances je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Mais même aux US, c'est pas dingue, en fait. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Ouais. Ça me fait chier parce que... Ouais. Pardon, ça me fait suer parce que c'est une gamme que j'aime bien. C'est un univers que j'aime bien. Après, c'est sombre. Et la question aussi, c'est est-ce que les fans ont envie de jouer dans des univers vraiment, vraiment très sombres? Ouais, mais c'est... Il y en a beaucoup maintenant, des univers sombres. Il y en a beaucoup, mais déjà, c'est un univers aussi historique. Oui. Parce que ça fait... Enfin, elle a 15 ans, cette gamme. C'est la 3e édition. Ouais, voilà. Donc, elle a quand même un gros historique. Et le lore de ce jeu est absolument formidable. Il y a une vidéo de Monte Cristo qui parle du lore pendant 1h30, je crois. Mais il dissèque le truc. C'est super intéressant. Vous allez apprendre énormément de choses. Et donc, c'est vraiment une gamme qui moi, m'a... Enfin, voilà. Elle heurte la première fois qu'on la lit, quoi.
il va falloir que tu mettes le lien sur cette vidéo, parce que j'aimerais aller voir, parce que j'ai pas suivi. J'aimerais bien aller voir. Non, moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup. Historiquement, je me rappelle avoir fait la critique de la première édition éditée en français, quoi, en anglais, et puis après en français chez Black Book. C'est leur premier produit. Oui. J'avais critiqué dans Backstab à l'époque, je me rappelle bien. c'est une gamme qui, ouais, moi, je l'ai suivie depuis la première édition. C'est une gamme qui est vraiment chouette. Après, c'est vraiment en marge, en fait. Ouais. C'est pas un truc mainstream qui va hyper tous les rôlistes qu'on est, quoi. Non. Soyons honnêtes. Mais elle a une âme. C'est une gamme qui a une âme. Ah oui, je suis d'accord avec toi. T'as plein de jeux qui ont une âme, mais qui marchent bien. Mais c'est un produit qui est clivant dans l'absolu, oui, parce que, voilà. Et donc, par définition, tout produit clivant fait qu'en termes de vente, tu le ressens, en fait. C'est bête, mais c'est une réalité. Et du coup, on va terminer sur toutes les gammes, parce que ça fait beaucoup. Genesis. Alors, Parce qu'il va y avoir Twilight Imperium qui va arriver en VO, ou il est déjà arrivé, je ne sais plus. Twilight Imperium, on a War for the Forge qui sort, War for the Throne qui sort fin mars ou fin avril aussi, en même temps que Throne of Shadow qui a été écrite, qui est une campagne. La gamme va se continuer. Elle va pas sortir. Twilight Imperium, vous ne le verrez pas en français. Hein. Ouais. Il n'y a aucune chance. Je veux pas vous vendre du rêve, non. Ça ne se vendra pas en France. Ou ça va se vendre à tellement peu d'exemplaires que ça n'aura pas de sens. Donc non. Mais par contre, c'est une gamme qui marche vraiment bien aux US. Twilight Imperium, tout le travail qu'on a fait sur Ember of the Imperium, qui est le supplément de background sur l'univers de Twilight, il sert aussi pour les romans. Il va servir pour d'autres développements ailleurs. C'est un gros travail qu'on a fait sur War for the Throne. On a à la Gen Con l'année dernière, les gars ont joué le préquel en fait de la campagne, qui est pas indispensable, hein, mais qui explique la situation de départ de la campagne. Voilà, on arrive dans un endroit désertique, on comprend pas pourquoi. Sur le scénario. Donc il est possible après derrière qu'on sorte le scénario pour que vous puissiez. Il va sortir en anglais, je pense, le scénario. Je crois qu'on a prévu de le sortir un peu avant la campagne ou en même temps pour que les gens puissent, s'ils le veulent, sortir, jouer le préquel. Et après derrière, t'as la campagne. Et on a d'autres choses en développement. Pour Twilight, mais pareil, pour moi, L5R, Aventura Rokugan, Twilight, c'est des produits qui vont sortir à un rythme plus lent, en fait. Et pour moi, il y a à côté de ça les gammes qui sont les gammes majeures, qui sont Star Wars, qui sont la nouvelle gamme que je vais annoncer, qui vont vraiment être plutôt les sujets sur lesquels on a énormément travaillé en France, c'est Cthulhu et l'Anneau Unique, évidemment. En plus de Star Wars, mais pour moi, ce qui est le plus gros en France, c'est vraiment ça. L'Anneau Unique et Cthulhu, c'est les choses qu'on va. Les ventes, c'est là où tous les gens vont naturellement. Et Star Wars, on relance la machine. Mais Aventura Rokugan, Livre des Légendes des Cinq Anneaux et Midnight, c'est des gammes qui sont plus à la traîne, forcément. De toute façon, en termes de visibilité boutique, puisque là, bon, je pense qu'on a vu un petit peu toutes les gammes, en termes de visibilité boutique, ce qui est clair, c'est que dès que les Star Wars sont arrivés, ils étaient tout de suite en tête de gondole. C'est parti super vite. Hein. Mais c'était attendu depuis tellement longtemps. Je ne sais plus combien d'années, 4 ou 5 ans où c'était épuisé, donc c'était compliqué. Et puis je vous avais expliqué que ça avait été un calvaire à faire réimprimer, ça avait été un enfer. Et là, l'enfer qu'on a sur Star Wars, sur les produits pour les reprints, c'est qu'il y a des choses qui ont changé en copyright chez Lucas, donc on doit changer des choses dedans, donc on doit tout revalider. En même temps, Pierrick profite de l'occasion pour modifier les termes de background qui ont changé et il fait un travail de dératé là-dessus. Donc on faut faire les choses bien et pas se retrouver à se dire on les reprint tel quel, ça va être plus simple. Non, le but du jeu, c'est de le faire bien, quoi. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'actu. Hein. On n'a plus qu'à se dire. On en parle dans 6 mois. Comme d'hab. C'est ça. En fait, notre rythme, c'est 6 mois. C'est ça. C'est pas mal, en fait. Hein. Mais par contre, voilà, il faudra qu'on prenne la photo parce que j'ai deux gardes du corps. Vous avez vu les masques, quoi. C'est quand même des mastocs. Moi, je suis le petit fluet et là, vous avez les deux colosses. Et il y a Manu qui sourit. Et Manu, il y a Manu. Viens voir, Manu. Ramène-toi. Regardez, il y a 3. En fait, c'est. Bah oui. Voilà. Ça fait peur, hein. Comment ils mais sont costauds, les regarde, gars. Regarde, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ouais. Voilà. Manu, je compte sur toi pour me défendre. tu vas les sortir. Voilà. Promis. Merci en tout cas. Avec plaisir. Bon salon, parce que là on est première interview, on est le jeudi.
Il n'y a pas encore tout le public, c'est plutôt cool. Ouais. Moins de bruit. On verra nos têtes dimanche. Ouais, je pense que ça va être. Je compte sur vous pour avoir une gueule de travers. Oui, tu peux. C'est déjà le cas. Merci tout plein. Merci, courage les gars. À bientôt, ciao.